que c'est la course la plus ancienne de la vallée. De monter à Puyayo en deux fois, une fois en vélo, puis on redescend tous et un deuxième départ à pied. Donc juste plus bas, on a passé une partie relativement plate et là ici, c'est vraiment raide, c'est le fameux mur. Et là, c'est le moral qui joue. Il faut sur au caractère, hop, jusqu'à Puyayo, un bout de route à côté de la chapelle. Donc on est des fois un petit peu plus avantagé de connaître le parcours, mettre l'effort à un endroit ou l'autre. Je me souviens même l'an dernier, il y avait un petit peu de vent. J'ai réussi à me reposer, c'est des micro-récupérations, mais quand même de se mettre un poil derrière l'autre, ça fait gagner peut-être 2-3 secondes. Donc je suis masseur kinésithérapeute et donc ça veut dire que je soigne les gens qui ont des problèmes musculo-squelettales, physiques en principe. Donc j'ai un cabinet de kiné à Valouise. Donc on a beaucoup de métiers saisonniers, beaucoup de métiers très physiques. Et puis il y a une population très sportive aussi. Donc moi qui aime bien le sport, je touche un peu à ça aussi. J'essaie toujours de ressentir, d'expérimenter sur mon propre corps. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui se passe dans mon organisme, dans ma tête. Comment on peut aller bien tout en se faisant mal des fois dans le sport. Ça fait la cinquième fois que je fais le défi de Valouise cette année. Donc, c'est quand même un moment clé dans mon année sportive. En tout cas, quand moi j'arrive là-haut, c'est à peu près noir devant mes yeux et j'arrive, je me tiens plus sur mes jambes. 15 minutes, on a de l'acide lactique partout. Mais voilà, c'est de l'effort pur.